Salut mes estomacs sur deux pattes, je m'appelle Michel. Moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, pour Noël, on va faire une dégustation de nourriture exclusivement Noël ou hivernale. Ouais. À tout de suite! Salut mes estomacs, de retour à la dégustation de trucs de Noël. En passant, je vous souhaite un joyeux Noël, parce qu'on est le 24 décembre. Oui. Il y a plein de monde qui sont réunis, puis ils vont fêter, puis c'est correct, amusez-vous. Profitez-en, en masse. Ouais. Fait que, ça va être assez bref, on a fait ça chill. Ouais. On s'est pas cassé le bessic, vous avez eu pas mal de recettes dans les quelques derniers mois. On va en avoir d'autres après Noël, là. Noël puis jour de l'an, mais... Mais là, à soir, on fait ça relax. Ouais. Fait que je vais commencer tout de suite. Ça a été acheté en majorité au Dollarama, puis un petit peu aussi... Chez Walmart. Chez Walmart. Fait que, en gros, c'est là qu'on a fait nos achats. Fait que je vais commencer par... les céréales. Elf. Le film Elf, ceux qui connaissent, là. C'est tellement drôle! Fait que, moi, j'étais un peu difficile sur les céréales, mais... Ouais. Pour les besoins de la cause. Au pire, les enfants vont y manger. Bonne. Ouais, c'est des petites guimauves dedans que t'aimeras pas. Ouais, mais bon. Je vais vous montrer ça, ce sera pas long. Là, je vais écouter ça en lait. Ouais, ben. Mais regardez que ça donne. Des petites cannes de Noël. Puis, ouais, en gros, c'est ça, c'est des petites guimauves. Mmh. Fait que, on va écouter. C'est bon, mais ça me fait penser à la ketchup. OK, ouais. Un peu le même principe. Assez sucré, bon. Ouais. Assez sucré. Et le matin, là, un peu trop pour moi. Mm-hmm. Ouais, que moi, ce que je mange, c'est bien, là. Des Frosted Flakes, c'est mes préférés. Ouais. Et avec ça aussi, vous allez me dire, ben, c'est sucré, ça, oui. Mais celui-là, avec la petite guimauve, c'est un overdose. Mais finalement, c'est un goût de... on y revient. Ah, oh, il y a un petit goût de revenez-y. Ouais, c'est bon. Excusez le dawa hein, dans la cuisine, mais bon, c'est l'heure des biscuits puis des, hein, bon, des préparatifs, ça, c'est ça. J'ai trouvé des biscuits Ritz en forme de flocon. Oui. Là, c'est sûr, ça ne veut pas être spécial. Ça... Ben là, la boîte était déjà ouverte, anyway. Ouais. Fait que. Et c'est des biscuits Ritz. Ouais. Fait qu'on s'entend avec des biscuits Ritz. C'est mon fils qui est accro à ça. C'est bon. Il n'y a rien de nouveau. Ben non, ça goûte les biscuits Ritz, c'est juste c'est la forme qui est le fun. Fait que tu sais, vous avez des canapés à faire. Ouais. Fait qu'elle n'est même pas obligée de tailler rien. Non. Vous avez déjà la forme du flocon. Ouais. Mettez dessus ce que vous voulez, là. Fromage, des olives, une canne. Vous savez, le traditionnel canapé, là. Cheese whiz, olives. Ah, oh, ça, c'est bon. Ça se fait quasiment partout. Vous pouvez mettre ça là-dessus. Oh, oui. J'ai pas de cheese whiz. Non. Mais j'ai des olives. Là, c'est des galettes d'amandes poivrées. Ouais, c'est du chocolat. Ça, j'ai pas le droit d'en manger. Bon, je suis quand même pas capable de l'ouvrir. Les dents! Oh! T'as une odeur d'amande qui sort de... Ben oui, mais je peux pas en manger, moi. Ouais, elle a un petit problème avec la menthe. Pas ça joue avec ma pression. Mais sa pression, aussitôt qu'elle mange avec la menthe. Ouais. Et ça, ça le fait pas à tout le monde. Non. C'est un peu comme une allergie, là. C'est une réaction allergique, mais. Fait que, tu sais, les bons after-eight, ben, elle a peut pas trop en manger. Fait que. J'en mange un, puis c'est. Dans le fond, je pense que ça va aller dans le goût, parce qu'en tant que tel, il n'y a rien de spécial. Non, c'est des chocolats. Il n'y a pas de forme, rien dessus, il n'y a même pas de dessin. Un petit grammage à l'intérieur. Ouais. Oh! Goût prononcé en menthe. Ah, fait que c'est encore pire que les autres. Oui. C'est bon, va. Je peux encore moins en manger. C'est bon, mais t'en manges pas. T'en manges pas 40. Hein. C'est de la torture de devoir manger ça. Je sais. T'es aimé ça. Là, c'est des bonbons à la canne de Noël, dans le fond. C'est des biscuits. Des biscuits, merci de me reprendre. J'ai la tête déjà dans... C'est l'Oreo, là, mais... J'ai la tête déjà dans la bouche. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la première fois. J'ai jamais goûté à ça.
C'est des biscuits au goût de canne de bonbon. Ouais. T'as pensé au Oreo, là, à la canne de Noël, là. Fait que... bel emballage, il y en a pas mal dedans. Ouais. Ouais, ça sent un peu la canne. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. OK. Ouais. Petit mélange blanc et rouge. Oui, il y a des petites miettes de canne de Noël. Fait que, naturellement. Moi qui n'ai pas fan, déjà, de canne, mais avec le petit goût de chocolat, ça adoucit un peu. C'est pas trop comme sucré, puis mentholé. Ou... non, c'est pas mauvais. Ça trempé dans le lait. Ça doit pas être mauvais. T'es cruel de manger des affaires à la menthe. Hein? T'es cruel de manger des affaires à la menthe. Ah oui, les minibus. Les minibus. C'est chocolat par-dessus chocolat, hein? Le cramage aussi. Je viens de découvrir quelque chose. Quoi? En arrière. Ah, oh, il y a un rein à fabriquer. Tu peux découper la boîte de carton, découper les... ouais, les formes. Puis ça fait un rein. Ah! Oh. Fait que t'as de la bouffe. T'as du bricolage. Bon, OK, moi je préfère la bouffe. C'est normal. Ça sent rien encore. Ben oui, c'est emballé par-dessus emballé. Oh, OK. Là, je vais le déballer que vous voyez bien. Mais là, sur la bûche, la mini-bûche. OK. Vous allez voir, il y a un petit peu de sucre de mi-dessus. Oh, bordel. Regardez, il y a un petit peu de sucre de mi-dessus. Ah, oh, ouais. Fait que ça a l'air d'être au chocolat par-dessus chocolat. Ouais, c'est du crémage au chocolat avec du gâteau au chocolat. Oh oui. Oh oui. C'est chocolat longtemps? Oui, mais ça tombe pas sur le cœur. Hein? Oui, mais là, arrête de manger de même, tu ne sauras pas. Oh oui, je vois super. Ils sont vraiment bons. C'est vrai que mes pâtes à goberge, hein, sont dures à battre. Ah, oh, les classiques, sapins. Trouve au Dolorama. Oui, il y en a chaque année au Dolorama de ça. T'as l'air d'être un gâteau à la menthe. Gâteau à la menthe, gâteau à la vanille. Oui, c'est un petit. C'est avec, ça. Avec un peu de crémage. Et encore là, en arrière. Oh. Encore un petit peu de découpage. Cool. Bon, là, celle-là, je pense pas le manger au complet. Comme elle dit, je suis prêt. Mais, oui, je suis. Mais, tu sais, moi, j'y ai déjà goûté, ils sont bons. Là. C'est ah, juste. C'est pas moi. C'est un petit gâteau bien simple avec un bon, petit peu de crème. C'est bien fait pareil. Oui, oui, c'est cute au route, là, mais il y en vend à chaque année au Dolorama. Oui. Non, mais j'allais pas souvent au Dolorama. Ouais. Là, vous voyez, un beau petit sapin. Oui. Il y a un petit crémage par-dessus. Mm. Fait que là. Un bon goût de vanille. Oui. Pas trop sucré. Non. Pas trop sucré, sérieusement. Non, non, c'est. Comparativement à la bûche, là. Tu peux en manger 20-25 de ça, puis tu t'écœures pas. De l'en manger. Et je finis. Là, vous dites, c'est quoi cette boîte-là? Ouais. Et ça, une belle boîte en plus, en forme de maison. Ouais, ben, elle a mangé une volée dans le transport, mais ça. Et là, on va l'ouvrir. Et voilà. Et dedans, un sac. Mais la boîte est belle, parce que tu sais, vous avez la boîte, là, c'est cute. Là, oui. Il y a des facilités ces côtés, hein. Il y a des petits points, tu peux déchirer n'importe quelle coche et les ouvrir. C'est à l'épreuve des enfants. Ah! Oh, c'est des petits biscuits. Oui. Des petits sorts bleus. Oui. Si j'avais lu sur la boîte. Les ouais. Quatre sont là. Oh oui, ça me rappelle mon enfance. Ma grand-mère l'avait tout le temps sur la table. Les boîtes de tôle, là? Avec les. Oh oui, ah, ça c'était bon. On va même vous les montrer. Hein. Je vais essayer différentes de retrouver... formes. Je vais essayer de retrouver une photo des cannes qu'il y avait à l'époque. Mais c'est vraiment là, les biscuits qu'on trouve. Les fameuses boîtes de tôle bleues, là. Oui, oui, oui. Ils sont sacoches.
C'est bon, ça me rappelle vraiment mon enfance. Quand tout le monde se rassemblait autour de la table. Ah oui. Fait que c'était ça, vous voyez, ça n'a pas été long. C'est chill. Si puis, vous êtes rendu jusque-là, marquez Joyeux Noël. Joyeux Noël, oui. En commentaire. Pensez au pouce bleu, à vous abonner. Oui, puis merci de nous suivre depuis qu'on a commencé. Sérieusement, là, un gros merci. Oui. Parce qu'on trouve ça cool. Puis on voit que vous les regardez toutes les semaines. Oui. Puis on va continuer, on aime ça. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment trippant, là. Puis en passant, je vais mettre le lien en description. Oui, le swap. Le monde, il se demande ça, là. C'est la sort d'où? Ben c'est dans le swap de Noël. Oui. Ça, c'est ma blonde qui a fait ça. C'est elle qui a fait la centre de table. Elle a quand même du talent, elle fait pas juste filmer puis faire à manger. Non, je suis meilleur pour faire des centres de table et faire à manger que pour tenir la caméra, je peux vous le garantir. Tu t'es amélioré depuis le début. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'un gros merci. Puis soyez prudents si vous sortez. Ouais. Sérieusement, tu sais. Faites attention aux machines, on va dire, comme mon grand-père dirait. On veut vous retrouver pour la nouvelle année. On veut pas en avoir perdu en cours de route. Non, c'est ça. Parce qu'on vous aime bien gros. Fait qu'un gros merci. Puis encore une fois, joyeux Noël. Puis l'important, c'est d'en profiter avec vos proches. Mm. Parce que. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On le souhaite pas, mais profitez-en en masse. Ben, amusez-vous surtout. Fait que sur ça, c'était Michel. Moi, c'est Pascal. Merci d'avoir été à la bonne franquette. Là, on ne peut pas vous dire d'avance ce qu'il va y avoir. On ne sait pas encore. On ne le sait pas encore. Fait que vous allez découvrir ça. Fait que n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous allez voir nos vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas mardi la recette express. Et le vendredi, la recette principale. Fait que sur ce, je vous dis un joyeux Noël. Ciao. Et à la semaine prochaine.